Clara a construit une tour avec 42 cubes. Ensuite, elle a ajouté 12 cubes rouges et 14 cubes bleus, 14 cubes bleus, et puis 16 cubes violets. Quel est le nombre de cubes de la tour de Clara Donc c'est le nombre de cubes une fois qu'on a ajouté tous ces cubes-là à la tour du début qui comportait déjà 42 cubes. Alors pour euh, trouver ce nombre de cubes total de la tour de Clara, en fait, on peut s'aider d'une droite graduée. Alors, je vais en, en faire ici. Voilà, j'en ai une ici. Enfin, c'est une portion de la droite graduée, évidemment. Et tu vois que, comme d'habitude, tu le sais, plus on se déplace vers la droite, plus on a des nombres qui sont grands. Hein. En fait, ce que je vais faire, c'est considérer que le premier grand tiré ici, eh bien, il correspond à 40. Donc, ici, c'est 40. Et je dis que c'est 40 puisque moi j'ai besoin évidemment de commencer à 42 cubes. Donc le nombre 42 doit pouvoir être placé sur la droite graduée. Voilà, alors maintenant que je t'ai donné cet outil là, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes déjà de placer le nombre 42 sur cette droite graduée. Et puis ensuite que tu réfléchisses à comment est-ce qu'on peut utiliser cette droite graduée pour représenter les additions qu'on doit faire, donc les ajouts de cubes qu'on doit faire. Ici on doit ajouter 12 cubes rouges, 14 cubes bleus. Et 16 cubes violets. Donc mets la vidéo sur pause et à toi de jouer. Ensuite on se retrouve. Alors ici euh, j'ai donc dit que ça c'était 40. Donc ici c'est 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc en fait tous les grands traits ici sont les dizaines. Donc là j'ai 40, 50, ici ça va être 60. Ici, ça va être 70, et puis ici, c'est 80. Alors, on doit déjà placer le nombre 42. Hein. Donc, 42, je pars de 40 ici, et je dois ajouter deux unités. Donc, ça correspond à se déplacer de deux graduations vers la droite. Donc, une, deux, j'arrive ici. Ça, c'est 42. Alors, ensuite, en partant de 42, donc ça, c'est le nombre de cubes de la tour au début. Elle a ajouté 12 cubes rouges. Alors, ajouter 12 cubes rouges, en fait, ça correspond à une addition de 12. Hein. Donc, de 12 unités. Et donc, ça correspond sur la droite graduée à se déplacer de 12 graduations vers la droite. Donc, je peux le faire comme ça. Je peux tout simplement compter à partir de 42. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 graduations et j'arrive ici. Donc, en fait, pour passer... De là à là, ce que j'ai fait, ça correspond à une addition de 12, hein, de 12 unités. Alors ici, à quel nombre j'arrive Eh bien, on peut tout simplement compter. À partir de 50, j'ai 1, 2, 3, 4 graduations. Donc, ce point-là correspond à 50 plus 4, c'est-à-dire 54. Donc ici, c'est 54. Ensuite, elle a ajouté 14 cubes bleus. Et ça, ça correspond à ajouter 14 unités, donc à se déplacer de 14 graduations vers la droite, encore une fois, mais cette fois-ci en partant de 54, de ce point-là, qui est le nombre de cubes maintenant que comporte la tour. Alors je vais faire ça. À partir de 54, je vais compter 14 graduations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'arrive ici. Donc là, pour passer de là à là, hein, ça correspond à ajouter 14. Donc c'est nos 14 cubes bleus. Alors là aussi, on peut lire à quel nombre on arrive ici. On part de 60, et puis 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Donc ici, on est arrivé à 68, ce qui veut dire que pour l'instant, on a 68 cubes. Mais ce n'est pas terminé. Clara ajoute ensuite 16 cubes violets. Donc je vais faire exactement la même chose. À partir de 68, je vais me déplacer de 16 graduations vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et j'arrive ici. Donc là, pour passer de là à là, j'ai ajouté. 16. Donc c'est plus 16. Alors maintenant je vais lire à quel nombre on est arrivé ici. On part de 80. Ça c'est 81, 82, 83, 84. Donc voilà notre réponse c'est que le nombre de cubes de la tour de Clara maintenant c'est 84.